Et bonjour à tous, on se retrouve pour ce deuxième épisode d'AKC Wallis de la saison. Et oui, c'est déjà le deuxième épisode. La dernière fois, notre candidat Golds était reparti avec une photo de Did, mais heureusement pour lui, il a vu la 25e boîte et du coup, il était reparti avec 5000 euros. Et aujourd'hui, nous allons jouer avec un ou une nouvelle candidate. Mais avant tout, comme d'habitude et comme chaque soir, je vais y arriver. Je suis avec Maître Bayer. Bonsoir, Maître Bayer. Bonsoir, Lucien, et bonsoir aux 24 autres candidats. Voilà, dont notre nouveau candidat. Voilà, notre nouveau candidat qui se trouve là-bas. Allez, attention, computer. C'est parti, on va savoir qui va jouer avec nous ce soir pour ce deuxième épisode d'AKC Wallis. C'est Alex. Alex qui va jouer avec nous. Bravo Alex, vas-y, viens me rejoindre ici, sur ton fauteuil. Félicitations, tu es sélectionné pour participer. Vas-y, mets-toi sur ton fauteuil. Je vais aller chercher ta boîte, ne t'inquiète pas. Je vais chercher ta boîte, c'est moi qui vais la chercher ta boîte. Hop, et ton numéro qui fera donc le 12. Je vais le chercher aussi. Ah, je vais pas le mettre sur mon fauteuil. Voilà, si, c'est bon, c'était mis sur le fauteuil. Si, on peut. Voilà. Eh bien, écoute. Présente-toi rapidement à nos personnes qui regardent cette vidéo, à nos téléspectateurs. Oula. Qui es-tu? Alors, bah déjà, je suis Alex, comme Lucien l'a très bien dit. Et je suis sur le serveur de la clinique depuis sa création. Et je suis modératrice. Voilà, c'est à peu près bien résumé. Et sinon, dans la vie, en vrai, tu es... Bon, je fais rien dans la vie. Voilà, d'accord. Est-ce que tu es scolarisé, au moins? Oui, je suis scolarisé. Bon, voilà. Bon, faut le dire. Je t'avoue que je suis plus trop les cours. Voilà. Mais écoute, c'est bien tout ça. On va pouvoir donc passer à la suite, puisque on est là pour gagner de l'argent, quand même. On n'est pas là pour partir avec ouais. Des 1 centime, des 1 euro, tout ça. Mais avant tout... C'est Maître Bayer qui va nous expliquer ce soir qu'est-ce qu'il a fait avec toutes ces petites boîtes. Eh ben, comme d'habitude, je me suis fait chier avant l'émission, parce que j'étais tout seul sur ce petit plateau. Et j'ai fait 2 tirages au sort. Alors, j'ai déjà fait un tirage au sort pour répartir dans les 24 boîtes, les 22 sommes, le joker, ainsi que l'objet que Lucien te prendra dans quelques secondes. Et ensuite, j'ai refait un tirage au sort pour attribuer ces 24 boîtes à chacun de ces 24 magnifiques candidats. Sauf que je le précise, Lucien ne connaît rien des boîtes, seul moi et le terrible banquier connaît l'intérieur des boîtes. C'est exact, je ne connais rien du tout, Alex, c'est pas bon de me demander, il n'y a que Maître Bayer et le banquier qui savent ce qu'il y a dans les boîtes. Oui. Alors on va tout de suite, en parlant de savoir ce qu'il y a dans les boîtes, on va tout de suite te présenter l'échelle des gains. Bon, ça c'est les sommes qu'on veut éliminer, 1 centime, un rendez-vous Tinder, bon voilà, 1 euro, 5 euros, 10 euros, 20 euros, 50, 100, 250, 500, 1000, 5000, ça c'est ce qu'on veut éliminer. À partir de 1000, ça devient intéressant. 15 000, 20 000, 25 000, 30 000, 50 000, 75 000, 100 000. Le joker qui aujourd'hui est à 160 000 euros. 500 000 et 1 million d'euros. Alors là, si on a le million, on fait péter le champagne, hein, je te le dis. Très bien. Autre précision également, nous avons le jackpot. Tu dois le trouver dans les 3 premières boîtes. Donc le jackpot, c'est l'objet. Si tu trouves l'objet, tu as le jackpot, tu gagnes 2 000 euros. Quoi qu'il arrive, ok. Et ça, peu importe le contenu, la 25e boîte, ça, on y reviendra plus tard. Eh bien écoute, je pense qu'on a tout dit. Donc on va commencer par une série de 6 boîtes. On commence par quel numéro? Quel numéro tu veux éliminer Je vais éliminer le 5 déjà. Ok. Alors c'est la boîte de... C'est le Shrek. Bah oui, c'est le Shrek. Vas-y, viens, rejoins-moi, c'est toi qui ouvre les boîtes. C'est toi qui fais clic droit. D'accord. En renonçant, en ouvrant la boîte 5, nous renonçons ensemble à la somme 2. Allez, clic droit. Le Joker. Ça commence mal. Une grosse somme d'entrée. Yes, merci Lèche. Ouais, eh bien on perd 160 000 euros. Okay. Boîte suivante, allez. Deuxième boîte. Le mec qui ressemble à Pikachu. Pikachu, merde, c'est Pikachu. Fait quoi, j'ai appuyé sur un truc. Non, t'as rien fait. Vas-y. Si, sur mon ordinateur, j'ai appuyé sur un truc. Ah, bah ça. Allez, vas-y, ouvre la boîte. Dans la boîte 14, nous renonçons ensemble à la somme de 25 000 euros. Est-ce que t'es au courant qu'il faut éliminer du bleu et pas du doré? Je précise quand même, au cas où. Je viens de me rendre compte des règles, c'est pour ça. Mais là, t'inquiète, voilà. Tranquille. Ok. C'est allez, bon. Vas-y, troisième boîte. Vas-y, on va partir de l'autre côté. Allez, du bleu, hein, on veut du bleu. Vas-y, de l'autre côté, ça nous portera peut-être un petit peu plus de chance parce que là, c'est pas terrible. Allez, la 13. Did, la boîte de Did. Ah. 50 000. Alors, je répète, est-ce que tu as compris les règles, Alex?
Oui. Voilà, c'est bien. Bonne suivante. Bon, ça va pas là. Non, ça va pas. Là, ça va pas. Quatrième boîte, allez. Le mec du qui bleu, ressemble là. À la Casa de Papel. Bah, c'est lui, justement. Le 20. Allez, vas-y. Le rendez-vous, voilà. C'est ouais. Sympa, pas de rendez-vous Tinder aujourd'hui. C'est ça qui est bien. Bon. Allez, boîte suivante. Nickel. Ça commence à aligner. 18. Harry Potter. 500 euros, voilà. Bah voilà. Bah nickel ça, ça. On jette un petit œil rapide au niveau des gars. On a éliminé 3 dorés et 2 bleus. Allez, encore une. Avant l'appel de la terrible banque. Bon. On va aller sur le Joker. Le Joker, non, hein. Non, je peux pas. La dernière fois dans le Joker, il y avait le Joker. Hein. C'est ironique, mais oui, c'est comme ça. Oui, le 17. Non, je peux pas le 17, donc allez, c'est Baya du coup, la boîte de Baya Adrien. La 3, monsieur Baya, KFC. Attention. 1000 euros, oui. Oui. Voilà. Eh bah écoute, on a rétabli les choses correctement, puisqu'on a éliminé 3 bleus, et au début, on avait éliminé 3 dorés. Du coup, c'est bien. Oui. Écoute, bah écoute, là-bas, on va nous appeler. On retourne à nos places. Oula, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, je lag un petit peu. La banque va nous appeler. Appel de la banque. Ah oui, faut que je prenne mon petit téléphone. Du coup, faut que je le rallume, mon téléphone, parce que je l'avais éteint, tu vois. Faut pas qu'on me dérange. Ah. Mais le banquier nous appelle, donc du coup, il va falloir que je décroche. Tu sais, j'avais pas envie de lui répondre aujourd'hui au banquier, tu vois. La dernière fois, il était reparti avec une photo de Did. Ça m'avait un peu énervé. J'ai envie que tu repartes avec une photo. Et heureusement pour nous, on a quand même conservé les 3 plus gros, à savoir 250 000, 500 000 et 1 million d'euros, Alex. On va voir ce que le banquier nous propose dans quelques instants. Oui, allô, je vous écoute. Oh, ça va. Il dit que tu vas repartir avec un centime pour aller t'acheter une photo de Did, toi aussi. Ouais, ah, tu vois le genre de chacal que c'est. Bon, allez-y, je vous écoute, monsieur le banquier. Quelle est votre offre? Ah, vous faites des jeux de mots avec les objets à gagner, hein, décidément. Bon, Alex, le banquier meurt très taquine. Ouais. Bafouille aujourd'hui, parce que j'ai pas envie qu'on reparte encore une photo de Did. Il nous propose 15 069. 69 comme ce que tu ne verras pas dans le rendez-vous Tinder. Voilà, tu as compris la référence du banquier. On a compris. On a compris la référence du banquier. Alors, qu'est-ce qu'on fait? 15 069 euros. C'est en haut à droite de l'écran. Et on sort encore des belles sommes. Donc tu refuses, je suppose. Je refuse. Voilà, on refuse. Allez, on va ouvrir 5. C'est parti. Alors... Laquelle? On va aller vers la 21. Ah, la 21, c'est Red Tiger. On prend la boîte de Red Tiger, on perd la somme de... 10 euros, oui, c'est bien. Hey, ça fait un 4 à la suite, un 4 bleu, on a fait d'un coup. Allez, on continue. Deuxième boîte. On continue avec un mec bleu bizarre. C'est le roi de la nuit. Le roi de la nuit. La deuxième boîte qu'on ouvre. Allez, c'est parti. 1 euro, oui, bien, bien ça. Ça, on aime, regarde-moi ça, le bleu diminue. Allez, en tout. C'est bien, c'est bien. Troisième boîte. Donald Trump. Oui, c'est Donald Trump. Avec son mur. Son mur de briques. Allez, on l'enlève. 100 euros. Oh là là, c'est un tirage de folie. Alors, j'aimerais quand même qu'on voit l'écran rapidement. On a éliminé tout ça de bleu. Il ne reste plus que 1, 2, 3, 4, 5, 6 bleus pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dorés quand même. C'est pas mal, hein? Pas mal. Pas mal. Bon. Allez, encore 2 avant l'appel de la banque, puisqu'on a éliminé 9 boîtes. On repart par là et on va enlever la 4. La 4, c'est Steve avec son masque chirurgical. On y va. Son masque coronavirus, c'est ça, protégez-vous. Geste barre, 10 000 euros. Ah bon. Bon, j'ai envie de te dire, ça va, parce que la somme qui est tout en haut est dorée. Donc ça va, par rapport. On fait un bon tirage quand même. Allez, une dernière, ne vire pas une grosse somme, et là je pense que l'offre du banquier va être conséquente. La numéro 1. Ah, monsieur Hugo Hamel. Hugo 85. Allez, porte-nous chance, 85, Hugo. Porte-moi chance. Oui, 5 euros. Ah, là. Là, ça fait plaisir. Là, j'en connais un qui fait la tronche. Parce que regarde tout ce qui nous reste. 5 grosses boules en bas et pour seulement le même nombre dans la zone bleue. Ça sent bon tout ça. Allez, on retourne à notre petite place. Le banquier va nous appeler. Ouais, allô. Alors, rigole-moi, hein. Ah, le banquier me dit que tu devrais retourner à la cuisine. C'est un banquier. Vraiment un chacal. Il me précise, et laisser les hommes jouer d'argent. Ouais, c'est ça. T'as vu, c'est une ordure, ce banquier. Bon, alors, qu'est-ce que vous proposez? Alors, je me permets de vous rectifier, monsieur le banquier.
vous avez vu l'écran qui reste. Il reste quand même des grosses sommes. Des 50 000, 75, des 100, des 250, des 100 000, des 1 million, tout ça. Enfin, d'accord, bah il persiste. Bon, très bien. Je raccroche à la gueule, tu vois, il m'énerve. 24 000 euros. À prendre ouais. Il est fou, lui. Bah, je suis d'accord avec toi, il reste encore 75, alors il reste pas 50 000, j'ai une petite bêtise. Ouais. Mais il nous reste 100 000, 250, 500 000, 1 million d'euros. Et elle propose seulement 25 000, je ne comprends pas 24 000, l'offre de la banque. Je refuse. Voilà, je tu fais bien. Je pense que c'est même pas... Il n'y a aucun intérêt après l'offre. Voilà. Aucun intérêt. Allez, on continue. Bon. 4 boîtes à ouvrir avant la prochaine appel de la banque. On va aller vers la boîte numéro 15. Une boîte obscure et Indiana Jones. Ah non, pardon, c'est pas Indiana Jones, c'est son voisin. Allez, on l'ouvre. Dustin dans Stranger Things. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? 500 000. Oh, aïe. Ça fait mal. Bon, c'était moqué du banquier. J'espère qu'on va pas regretter quand même les 24 000. Boîte suivante. Allez, on oublie. Il reste encore des belles sommes. Bon. La numéro 9. Ah, Link dans Zelda, évidemment. C'est mon chiffre, le 9. J'espère qu'il va te porter chance. Oh. On ouvre, attention. Super. 50 euros, voilà, ça c'est bien, c'est du bleu. Voilà, okay. Bon, vaut bien la petite boîte à 500 000. Allez, encore deux, Alex. J'espère qu'on a le million, Dark Vador, non? La numéro 23. Ah, 23, oui. Dark Vador, qui remplace Gold. On y va, on ouvre, ils ont changé de place. 5000 euros, oui. Eh, hey, tu nous fais un beau tirage, hein. Regarde-moi ça. Ah, pour l'instant, 3 boîtes bleues. Je suis satisfaite. Ouais, tout le reste, c'est du doré. On a éliminé 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 boîtes. Encore une avant l'appel de la banque. Et on aura éliminé 15 boîtes sur les 24. La numéro 8. Redouné. Oui. Oh, Red. La boîte c'est de Redouné. 1 million. Oh non. Ah, Red, non. Non, c'est Red. Pas vrai. C'est la fin. C'est pas possible. Oh non. Pas maintenant. Ah si. Ah, si. Bon. J'ai envie de positiver quand même. Il nous reste beaucoup doré. On a déjà les deux plus gros sur ce tirage. C'est légèrement inquiétant. Bon, il appelle de la banque. Oui, allô. Ah, il me dit qu'il a vu ton homme Achille. Avec une nouvelle femme. Et du coup, il me dit qu'il a changé de femme. Du coup, il te propose un échange de boîte. T'as vu, hein? Il est très taquin aujourd'hui, ce banquier. Il a envie de t'embêter. Qu'y a-t-il dans cette boîte pour qu'il te propose un échange et des sommes plutôt basses? Il a peur. Est-ce que tu gardes ta boîte ou est-ce que tu l'échanges? Est-ce que tu gardes ton... Je garde ma boîte. Tu gardes ta boîte. On va donc 3 boîtes. Attention, là, ça commence à devenir intéressant. Viens-moi, les 3 sommes bleues et au minimum, ce soir, c'est 15 000. Allez. Allez, c'est parti avec la 19. Spider-Man, on ouvre sa boîte. Nous renonçons ensemble à la somme de... 1 centime d'euro, oui, bah voilà, c'est bien. Moi, toi, tu sais les consignes qu'on te donne. C'est bien, mais voilà. Oui, allez, deux boîtes. Viens-moi les deux autres boîtes bleues, là, qui servent à rien. J'ai compris le jeu, là, c'était bon. C'est bien, là, bien compris le jeu. Bon. On en vire deux autres, si tu me vires les deux bleus, alors. Allez, la 10. Allez, l'ancien skin de Corp, Psy, celui qui a fait le Gundam Style. En ouvrant sa boîte, on perd la somme de 30 000. Bon, c'est un moindre mal, j'ai envie de dire. C'est une belle somme, 30 000, mais bon. Il reste encore les 250 000, les 100 000, les 75 000, on va aller les chercher. Une dernière boîte avant l'appel de la banque. Du bleu, ce serait bien. Une petite somme. Un truc pas trop élevé. Une petite boîte. La boîte numéro 22. Allez, 22. Céleste, notre brojon national. En ouvrant sa boîte, on perd la somme de 250. Aïe, 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 aïe. Juste avant l'appel du banquier. Aïe! Mal. Ouais, c'est pas très bon là. Attends, le seul gain maximum qu'on peut gagner c'est 100 000. Ouais. Oui, allô? Ouais. Oui, bah je sais que la candidate a perdu les plus grosses sommes. Mais il reste encore 100 000, 75 000, je vous signale. Il nous reste 4 dorés pour 2 bleus seulement, donc proposez une offre intéressante s'il vous plaît. D'accord, je transmets. Alex, le banquier te propose 21 212 euros. C'est une somme plutôt correcte. Regarde bien l'échelle des gains. Il n'y a que deux boîtes qui sont au-dessus de son offre. Hein. Les 75 et les 100K. Après, on a du 15 et 20. Là, il propose une offre à 21 212. Qu'est-ce que tu fais? Sachant qu'on a encore deux boîtes bleues aussi. Attention. Je préfère jouer jusqu'au bout. D'accord. Donc, tu refuses l'offre de ce chacal.
C'est très bien. Exactement. Bien écoute, là on rentre dans la phase finale puisqu'il n'y a plus que 6 boîtes et là il va falloir en éliminer 2. Mmh. Allez, vas-y. Bon. Quelle boîte est-ce qu'on fait? On va éliminer la 11. La 11. Todd, le petit Todd, il est trop mignon. Allez, on ouvre sa boîte. Oui, attention, on croise les doigts pour toi. De 20 euros, oui. Nickel. Ça, c'est bien ça. Allez, il reste que plaisir. Cette boîte là qui nous nargue à 250 euros. Si tu me la viens maintenant, on se met très très bien, Alex. Bon, on va aller enlever la 17. On va plus mettre banquier, je te le dis. La 17, le joker. En ouvrant la boîte. C'est un chiffre que j'adore, mais c'est pas grave. On enlève. Bah, attention. 20 000 euros. Bon, ça va. Hein. 20 000 euros par rapport à ce qui reste. Ça va. C'est une belle somme, 20 000 euros, mais bon. Il nous reste quand même. J'aurais pu mieux faire. 75 000, 100 000, 15 000. Et c'est 250 euros qui nous narguent. Le banquier va donc nous appeler, nous faire une offre. Oui, allô. Ah oui, d'accord, comme ça, cash. Ok, bon bah, je transmets. Le banquier a peur, Alex. Tu te doutes bien. Il te reste 3 boîtes dorées, une seule bleue. Lui, il a envie que t'aies la boîte bleue, forcément. Mais il y a quand même 3 chances sur 4 que tu repartes avec une belle somme. Voici l'offre du banquier. Je vais te demander d'y réfléchir un instant parce qu'elle est quand même pas mal, malgré les 2 grosses sommes qui restent. Il propose 32 000 euros. Pas mal, 32 000. Sachant qu'après, on a éliminé une boîte. On a éliminé que 2 boîtes après. Mais pas sûr qu'on revoit les 32 000 si jamais on vire les 100 000. Ou les 75. 32 000 euros, c'est à casser ou à laisser. On casse la banque ou alors on continue. C'est une belle somme, mais on va jouer jusqu'au bout, écoute. Ok, donc tu refuses ? On refuse. Très bien, je vais le dire au banquier. Elle refuse votre offre, hein. Et à l'avenir, dérangez-nous pour quelque chose qui a plus de valeur, s'il vous plaît. Une meilleure somme, merci. Voilà. Allez, on continue. On va enlever la boîte. Une boîte, une seule boîte. 7. Indiana Jones, cette fois-ci on y vient, Indiana Jones. En ouvrant la boîte 7, nous renonçons ensemble à la somme 2. J'espère que c'est pas une grosse somme. Non. 100 000 euros. Ça fait mal. Voilà, c'est la somme qu'il fallait pas éliminer. C'est pas mal. Bon du tout ça c'est pas bon du tout. Bon, mais il nous reste encore 75 000, 15 000, 150. J'ai peur, honnêtement, les 250 euros, je sais pas, j'ai... Il m'inspire pas confiance, ces 250 euros, là. J'espère qu'on va vite les virer. Ce serait bien, deux chances sur 3 de repartir avec une belle somme. Là, je suis pas sûr qu'on revoit les 32 000. Ouais, allô. Oui, j'avais compris, hein. J'avais pas besoin d'expliquer pourquoi vous proposiez cette somme-là. Hein. Ouais. Il dit qu'il faudrait changer de candidate, et du coup, il propose une offre à 23 000 parce qu'il a échangé les chiffres, tu vois. 32, 23. Il est comique, hein. Ah ouais, franchement, un coup. Alors, 23 000 euros. Attention, Alex. Je dois quand même te le repréciser. Nous avons une boîte à 15 000, qui est inférieure à 23 000. Nous n'avons qu'une seule boîte supérieure à 75. Mais on a quand même la boîte à 250 euros qui nous pose problème. Qu'est-ce qu'on fait? 23 000 euros à casser ou à laisser. On casse la banque ou on laisse. Bah écoute, on refuse encore une fois son offre. D'accord, on refuse, on continue. On va aller chercher 75 000, Alex, je te le dis. On va aller les chercher. On va y aller. Allez, une boîte. S'il te plaît, ne me vire pas 75. Alors, je vais virer la boîte numéro 6. Pour garder la numéro 24. D'accord. Jack Sparrow. On prend la boîte de Jack Sparrow. Nous renonçons à la somme de 15 000 euros. Ah, bah voilà. Alors ça, c'est incroyable. À chaque fois, ça termine pareil. C'est le grand écart ce soir à nouveau, Alex. Ça fait mal. Pour ceux à casser ou à laisser. Ce soir, c'est 250 euros. Ou alors, c'est 75 000 euros, Alex. L'enjeu est énorme. La banque appelle. J'espère que c'est tout ou rien. Oui, allô. D'accord. Je transmets. Alex. Oui. Le banquier propose un échange de boîte. Contre la 24. Un chiffre que tu as hâte d'apprécier. Je pense que tu as laissé jusqu'au bout. Qu'est-ce qui représente le 24 pour toi? Le 24 ne m'a pas porté chance hier. Ouais. Et j'aurais pu échanger avec le 12 hier. Et je ne l'ai pas fait et j'ai regretté. Donc je ne vais pas échanger ma boîte, je vais garder le 12 jusqu'au bout. D'accord. Tu refuses l'offre du chacal? Je refuse. D'accord. Bon bah écoute, j'espère qu'on va... Décision. Avant de venir, quel objectif tu vises à peu près en termes de somme? Une somme à peu près correcte, tu disais? Une somme dans les boîtes d'or. D'accord.
Ah, le banquier me rappelle, attends, le banquier me rappelle, je crois, effectivement, on va voir ça tout de suite. Oui, il me rappelle, effectivement. Vous insistez. Pourquoi vous insistez autant? Il me dit que t'as 250 euros dans ta boîte, donc il me dit que tu dois échanger ta boîte impérativement. Ouais, mais c'est un mytho. Donc tu refuses à nouveau encore l'échange? Oui, oui, je refuse. D'accord. Bah écoutez, monsieur le banquier, elle ne veut pas échanger, elle ne veut pas de votre argent. On gagnera ce qu'on gagnera. On gardera la tête haute quoi qu'il arrive. Au revoir. Voilà. Voilà. Allez, la boîte 24. Bon, on va aller l'ouvrir du coup. Hein. Du coup, la somme qui va s'ouvrir quand tu appuieras sur cette boîte, c'est la somme que tu n'auras pas dans ta boîte. Vas-y, je te laisse l'ouvrir. Suspense. Bon. La boîte de Batman. Oui! Bravo, Alex! Il y avait les 350 euros chez Batman, la banque avait... Mais tu es resté jusqu'au bout. Vas-y, ouvre ta boîte, la 12. Tu repars avec 75 000 euros. Bravo, Alex. Oui. Bravo, bravo. Ah, bien, écoute. Et attends, c'est pas terminé, c'est pas terminé. Il y a la 25e boîte. Oui. Avec Tobaya. Alors, je t'explique rapidement. Soit tu l'ouvres, dedans, tu as banqueroute. Dans ce cas-là, tu repars avec zéro. Soit, dis, je tente, je peux avoir 10 000 par 2 au x 2. Ou alors, tu peux aussi avoir plus 5 000 euros. Qu'est-ce que tu fais? Une chance sur deux d'avoir quelque chose de positif. C'est ça. Non, je vais pas l'ouvrir. D'accord, tu l'ouvres pas. On l'ouvre pas, oui. Mais on va quand même l'ouvrir pour voir ce qu'il y avait dedans. Allez-y. Oui. Qu'y avait-il dans votre 25e boîte? Il y avait divisé par deux. Voilà. Ah. J'ai oublié de retirer le euro, c'est pas grave. Mais écoute, il y avait divisé par deux dans la boîte. Et bien écoute, on a bien fait de pas l'ouvrir. Tu repars avec 75 000 euros. Félicitations, Alex. Bravo. Merci. Maître Baya, peut-il me confirmer que le jackpot n'a pas été trouvé dans les trois premières boîtes, il me semble pas. Non, c'était dans la quatrième, donc ça ne compte pas. D'accord, bah, désolé Alex, t'as une boîte prête, tu auras pu avoir 2000 euros. Donc la prochaine semaine, nous remettons 3000 euros en jeu pour ce jackpot. Eh bien écoute, je te remercie, tu peux sortir par là, la sortie est par là. Voilà. Ouais. Bravo, félicitations, tu repars avec 75 000 euros. Merci Maître Baya d'avoir été là. Et je vous donne rendez-vous bientôt pour un prochain épisode d'AKC ou ALC. A plus tout le monde.